Peggy, my Peggy Sue. Well, I love you, girl, and I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue, oh, my heart is for you. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Well, I love you, girl, and I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue, pretty, 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 pretty Peggy Sue. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Well, I love you, girl, and I need you, Peggy Sue. Je suis issu d'une famille de musiciens, car mon père était musicien professionnel, mon oncle aussi, ils ont fait ça toute leur vie. Et puis évidemment, quand on avait 6-8 ans, il nous a inscrits dans des écoles de musique. C'était pour moi les cadets de Genève en l'occurrence. Et alors c'est du solfège, du solfège, du solfège. Et au bout de quelques années, 4 ans, on peut choisir ou le tambour ou la flûte. Alors là, c'était la flûte. Mais après, on a droit de choisir un instrument. Pour moi, ça a été la trompette. Mais c'était pas encore vraiment mon truc, quoi. Mon truc, c'était la guitare. Alors après, j'ai arrêté, je me suis mis à la guitare. J'avais 12 ans et j'ai eu la chance d'accompagner mon frère qui a 4 ans de plus que moi. Et on a fait quelques concerts comme ça pendant 2 ans sur Genève. Ma première vraie soirée en public, c'était en 1960. On avait monté un groupe qui s'appelait Gilles Rocky et les Thunderbirds. Et ça a été vraiment le départ de ma carrière de rock'n'roller, si on veut. C'était à la salle du Môle, à Genève, donc. Il y avait deux orchestres. Il y avait l'orchestre de Jean-Jacques Aigli, avec Danny comme chanteur, et le mien. Et évidemment, à l'époque, on voulait chacun finir la soirée, parce que celui qui terminait était considéré comme la vedette, et celui qui commençait comme la vedette américaine. Ouais. Alors, c'est une soirée qui n'a jamais fini, pratiquement, quoi. On a peut-être fini d'ailleurs ensemble, en bof. Bernard Le Foulon, ça a été mon premier guitariste. Il y avait Roland Vagnetti à la contrebasse et c'était mon frère à la batterie. Ouais. Et Bernard Le Foulon, donc, pour la petite histoire, était français. Ensuite, il est parti pendant 2 ans et demi en Algérie faire la guerre. Et c'est pour ça qu'entre-temps, il y a eu des orchestres, les Cannonball, les Loups Noirs, je ne sais pas exactement dans quel ordre, les Thunderbirds. Bernard Le Foulon, donc, qui était un excellent guitariste, est revenu après l'Algérie et nous avons remonté le premier groupe, Gilles Rocky et les Rockies. C'est avec eux qu'on a eu l'occasion de faire le premier 45 tours. Ce premier 45 tours a été enregistré à Radio Genève. On est allé frapper aux portes de Radio Genève et ils nous ont donné l'occasion d'enregistrer dans les magnifiques studios déjà à l'époque. Et c'est donc ce 45 tours où on trouve Someday et quelques chansons en français. Boris Vankov, qui lui était l'éditeur, et il faisait presser ça à la Turicafon à Zurich. Ouais. Et la pochette, je m'en suis occupé moi-même, c'est une pochette en noir blanc qui s'est fait, elle s'est fait faire chez, je ne sais pas si on peut dire, chez Blanc et Vite-Vert à Genève, en offset ouais, à l'époque. Et celui qui m'a fait ça travaille toujours actuellement là-bas et il va prendre sa retraite dans quelques mois. You're
come running back to me someday. Someday. You're gonna want me someday. Someday. You're gonna miss me someday. Rock'n'roll américain ici en Suisse et presque on peut dire en Europe aussi était très méconnu parce que c'était un petit peu le début de qu'est-ce qu'il y avait les chats sauvages, ces groupes français là, les Eddie Mitchell. Mais moi j'étais un puriste, j'aimais le vrai rock'n'roll, Made in USA. Et justement cette interview qui a eu lieu donc après une soirée qui était sauf erreur peut-être à Rouenet ou je ne sais où, c'était Dan Pash. Je lui ai parlé beaucoup de Buddy Holly qui était mon idole, c'était mon chanteur préféré. Et j'avais 17 ans à l'époque et je lui ai raconté vraiment ce qui me sortait du cœur. Alors c'est pour ça qu'il y a des choses un petit peu incroyables derrière ce 45 tours, où je dis que mon ampli, donc sur lequel je branchais ma guitare, cet ampli, c'est le cercueil de Buddy Holly que je transporte chaque soir. Mais vraiment, c'était mon idole, ouais, Buddy Holly. Ouais. Pretty, 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 pretty Peggy Sue, oh Peggy, my Peggy Sue. When I love a girl and I want you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with your love so real and true, oh Peggy, my Peggy Sue. When I love a girl and I need you, Peggy Sue. When I love a girl and I want you, Peggy Sue. Pour ma part, j'ai jamais pu chanter du rock'n'roll en français comme je le fais en anglais, quoi, ouais. Et ce qui était dommage, c'est que vraiment les gens croyaient que c'était les versions originales, ce qui était fait en français, alors que les vraies versions venaient des USA, et là j'avais la chance de les faire venir directement de là-bas. Et à l'époque je faisais une émission qui s'appelait Donnant Donnant avec Jean-Pierre Lundbach, qui passait tous les mercredis à Radio Genève, là. Et justement je passais ces disques américains pour justement montrer d'où venaient les versions originales. Je crois que maintenant ça se refait, de temps en temps on dit voici la version originale sur certaines radios. Ouais. Bon évidemment Jean-Pierre me coupait pas mal de séquences parce que c'était pas en direct. Parce que vraiment, moi j'étais contre ce rock français, et il fallait pas quoi. Ça c'était également une excellente formation. À la batterie c'était Jibi, donc Jean-Bernard Knech, qui est actuellement le batteur de Rollover. Il a commencé chez moi, il était tout petit, il a fait une carrière extraordinaire, c'est un excellent batteur. Et il y avait les frères Rodard, un à la basse, l'autre à la guitare. Et ça a été vraiment une période également... où j'ai de très bons souvenirs, car on a fait la première partie notamment des Chats Sauvages à la salle de la Réformation, première partie de Franck Alamo qui a plus ou moins bien marché pour sa part parce que les gens étaient venus pour du rock'n'roll et Franck Alamo c'était pas vraiment du rock'n'roll. On en revient justement à cette histoire de la période yéyé française qui n'était pas vraiment ce que les gens attendaient du rock'n'roll, quoi, ouais. Et on a fait également la première partie de Hugo Frey, on ne savait pas qui c'était, on a fait ça à Renan, et on ne l'a même pas vu d'ailleurs Hugo Frey, parce qu'on chantait le soir même encore ici à Genève, plus tard.